Alors, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, ouverture de l'Africa CEO Forum à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, à la tête d'une délégation, représente le président Alassane Ouattara. La problématique de l'intelligence artificielle, le leadership et les marchés communs, ou comment l'Afrique se fait une place à la table des puissants demain, a meublé l'essentiel des interventions. Séance de travail à l'Assemblée nationale, plusieurs projets de loi adoptés en commission. Les députés ont donné leur accord, notamment pour la réforme des impôts sur le traitement des salaires, la pension, la rente viagère. Il a aussi été question de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif. Les dates des examens de fin d'année sont connues. La direction des examens et concours a procédé au lancement officiel des compositions. Le CEPE ouvre le bal le mardi 21 mai. Pour le BEPC, les épreuves démarrent le 22 mai. Le baccalauréat, dès le 17 juin, 1 630 000 candidats en évaluation cette année. En Mauritanie, l'ex-président ne sera pas candidat au scrutin présidentiel du 29 juin. Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas réussi à réunir les parrainages pour valider sa candidature. Il devrait obtenir l'adhésion de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires. Allons au Rwanda, le 11e Africa CEO Forum s'est ouvert ce matin à Kigali, capitale rwandaise, en présence du chef de l'État Paul Kagame. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé participe à la rencontre. Le secteur privé et les décideurs politiques vont parler de la nécessité pour le continent de mener l'offensive économique en se basant sur son fort potentiel. Franck Wadio, Adama Kéré à Kigali. Le quota des décideurs africains, acteurs politiques et investisseurs présents à Kigali au Rwanda pour la 11e édition de l'Africa CEO Forum, intelligence artificielle, leadership et marché commun, comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain. Une problématique à poser en présence d'un parterre de personnalités dont le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mombé, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il faudrait donc mettre des prérequis. Notamment la numérisation. Les données aujourd'hui représentent le nouveau trésor. Aujourd'hui, nous devons également investir sur le système éducatif. Il faut mettre l'accent sur la science, la technologie, l'ingénierie, la mathématique, en distribuant de façon équitable les parts entre les hommes et les femmes. Voici donc un exemple qu'il faut répéter sur tout le continent. Des défis donc, mais surtout des opportunités. L'hôte de tous, le président rwandais Paul Kagame, quant à lui, reste pragmatique. L'avenir, c'est l'Afrique et le continent a autant de légitimité que tout autre. L'Afrique n'a pas besoin de demander sa place. Aujourd'hui, presque 20% du monde représente l'Afrique. D'ici 2050, le chiffre montera à 25%. Bientôt, la seule classe moyenne dans le monde qui continuera à croître est l'Afrique. Alors, par rapport à ce progrès, l'Afrique restera l'un des moteurs économiques au monde. Mais afin d'être prospère, nous devrions changer ou améliorer notre façon de réfléchir. Nous devrions rechercher la qualité et la complexité dans notre chaîne de valeur. Pour y parvenir et réussir le pari, ce forum a pour rôle de peaufiner la réflexion, d'où les panels et différentes rencontres auxquelles on prépare au pas de course le Premier ministre ivoirien Begré-Mombé, qui avait à ses côtés le chef du Parlement, Adama Bictogo. Une des attractions de cette journée de l'Africa CEO Forum de Kigali est le Forum Investir en Côte d'Ivoire. La salle était pleine d'investisseurs intéressés par les opportunités qu'offre le pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a présenté le potentiel économique de la Côte d'Ivoire au secteur privé. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Franck Wadio, Adama Kéré. L'économie ivoirienne se porte bien et une fois de plus suscite de l'intérêt lors de l'Africa CEO Forum. Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Un panel et les arguments fournis par les ministres de l'économie et du commerce, lesquels notent une forte croissance et une transformation structurelle notable et bien des secteurs de notre économie à pourvoir. Dans le plan national de développement de 2021-2025 qui s'achève donc, l'État a défini 7 clusters pour lesquels nous avons des ambitions assez fortes
de développement pour lesquels tout reste à faire. Il y a l'industrie, il y a les mines, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a le tourisme, il y a le logement, les matériaux de construction. Et tous ces secteurs-là sont à développer. Le cluster prioritaire, c'est l'agro-industrie. Lorsque vous prenez le secteur de la chimie et de la plasturgie également, il y a des opportunités. Nous prenons le secteur du packaging. Et lorsque nous avons fait les études, nous avons noté qu'il y a au moins $1 milliard de packaging importé. Alors que nous avons la ressource naturelle, notamment le calcium, au niveau du sable en Côte d'Ivoire pour pouvoir transformer ces produits. Des secteurs stratégiques et un sentiment renforcé après les échanges, mais surtout l'intervention du chef du gouvernement Robert Bugrimambi, qui relève cette résilience économique qui s'est consolidée au fil des années. Nous avons d'autres produits dans le sous-sol qui indiquent que ce sous-sol est très riche. Nous avons découvert un gisement de gaz et de pétrole de classe mondiale. Récemment, nous avons découvert un gisement d'or immense qui sera certainement le deuxième ou le troisième en Afrique. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2012 se situe entre 7 et 8%. En termes de projection, la Côte d'Ivoire entend aussi multiplier les axes d'investissement à développer. D'ici 2030, en matière d'énergie, le mix énergétique nous permettant d'assurer près de 40% de notre capacité énergétique avec l'énergie renouvelable. Un peu plus de 40%, d'ailleurs 42 à 43%. Parce que déjà, du point de vue de l'énergie, nous avons de grandes potentialités pour le photovoltaïque, l'éolienne, pour la biomasse et pour tout ce qui concerne l'économie circulaire. Nous avons, en ce qui concerne les infrastructures routières, la perspective de renforcer notre dispositif routier en continuant l'amélioration du bitumage de nos routes et en faisant en sorte que tous les départements soient connectés les uns aux autres par des routes bien bitumées. Un vaste chantier décliné à travers le 3e plan national de développement. La délégation, conduite par le Premier ministre Robert Bugrimambi, s'est ensuite rendue au centre d'exposition pour une visite au stand Investir en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, des travaux en commission à l'Assemblée nationale, deux projets de loi adoptés à l'unanimité. L'examen du premier projet de loi porte réforme des impôts sur le traitement des salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Et le deuxième porte sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, était face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Et nous parlions de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Côte d'Ivoire renforce ses actions contre ce crime. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, a présenté trois projets de loi aux députés membres de la Commission des affaires générales. Ces trois textes ont été adoptés à l'unanimité et la Côte d'Ivoire se conforme ainsi aux conventions internationales. Moussa Konaté, Barnabé Kouna. La loi portant répression du terrorisme connaît une modification. Une réforme en vue de renforcer les actions de l'État ivoirien dans la lutte contre le phénomène. Le projet de loi portant modification de la loi de 2015 portant répression du terrorisme est adopté à l'unanimité par les députés. Compte tenu de la gravité des actes terroristes et de leurs conséquences incalculables, les peines prévues par la loi de 2015 ont été relevées allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Enfin, d'autres modifications tenant à l'élargissement de la poursuite à certains comportements antisociaux qualifiés d'actes terroristes par certaines législations étrangères ont été apportées au texte initial. La prise en compte de ces données nouvelles permettra à la justice ivoirienne de démanteler les différents réseaux criminels qui sévissent dans la sous-région ouest-africaine. Le garde des Sceaux, Jean-Sansan Kambilé, obtient également l'accord des députés pour l'adoption du projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. La Côte d'Ivoire collabore avec un certain nombre d'États. Et cette collaboration dans le domaine judiciaire
participe à l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. C'est ce qui justifie donc la proposition de la loi relative à l'entraide judiciaire. Dernier texte présenté par le ministre de la Justice, également adopté, le projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Le texte vise à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des travaux en commission à l'Assemblée nationale, je vous emmène à présent en plénière au Conseil économique, social, environnemental et culturel, une séance entièrement consacrée à l'examen d'un rapport sur l'économie numérique et la transformation de l'économie ivoirienne. Les travaux mettent en lumière l'importance accordée au numérique dans l'agenda économique national. Marie-Chantal Akandan. Au cœur de l'Assemblée plénière du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, un rapport a été adopté après des échanges et débats. Le président du CESEC, Eugène Akawele, a exprimé sa gratitude aux participants pour leur engagement et leur sérieux dans les discussions particulièrement axées sur l'économie numérique. Le choix donc du présent thème, à savoir l'économie numérique et transformation structurelle de l'économie ivoirienne, découle des prérogatives de saisine d'initiative du CESEC et de la volonté de notre institution consultative d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de poursuivre les efforts pour un réel développement de l'écosystème numérique dont l'apport substantiel dans l'économie nationale reste indéniable. Eugène Akawele a salué le dynamisme de la Commission Communication et Nouvelles Technologies, dont les recommandations reflètent l'ambition de positionner la Côte d'Ivoire en tant que hub numérique. On constate qu'il y a un ministère chargé d'économie numérique, donc nos propositions ne font que l'accompagner. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est déjà en rapport avec la Silicon Valley. Donc il y a cette volonté-là de développer le numérique et aussi apporter une part très significative à l'accroissement de notre PIB. D'autres commissions du CESEC ont également contribué à cette réflexion. Le rapport a situé l'importance de l'économie numérique dans l'économie ivoirienne et il a fait de bonnes recommandations et présenté des cas pratiques des pays qui l'ont fait, qui voient l'intérêt. Et donc il n'y a que toutes ces valeurs-là mises bout à bout pour qu'on puisse atteindre ce développement qui est à portée de main. Cette séance plénière a été l'occasion pour le président du CESEC de présenter officiellement 13 nouveaux membres qui font leur entrée dans l'institution. Cette assemblée qui marque ainsi leur première participation aux plénières vient renforcer davantage l'expertise et la diversité au sein du CESEC. Parlons maintenant de la 14e édition du CILAR, le Salon international du livre d'Abidjan. Ce rendez-vous se poursuit au Parc des Expositions. La cérémonie officielle a été faite en présence du grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly, parrain du CILAR 2024. Le pays à l'honneur est le Kenya. Khalid Diomandé, Diamasso. Pour l'amour du livre, ils ont effectué nombreux le déplacement au Parc des Expositions de Port-Boué. Personnalités politiques, diplomates, écrivains, hommes de médias, élèves et étudiants, tous sont présents pour le lever de rideau de la 14e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Une édition de maturité pour les organisateurs. Certes, nous sommes à notre 14e édition, mais l'année 2024 marque ses 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Le SILA aujourd'hui a atteint des proportions depuis 3 éditions. C'est 100 000 visiteurs en moyenne que nous enregistrons. Entre 250 et 300 auteurs que nous avons enregistrés, l'auteur à l'honneur, c'est Serge Billet. Quels que soient les salons qu'on fait dans le monde, quels que soient les lieux où on est acclamé, ça n'est jamais aussi fort que chez soi. Voilà. C'est un plaisir pour moi de revenir en Côte d'Ivoire, d'être l'écrivain d'honneur en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir aussi de partager avec les lecteurs ivoiriens, les lectrices ivoiriennes. C'est un plaisir de fêter le livre avec les organisateurs du salon qui ont vraiment bien travaillé. À la tribune du SILA 2024, la ministre de la Culture Françoise Remacq réitère son engagement aux côtés des acteurs de l'industrie du livre afin de faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante de la littérature en Afrique. C'est un défi, un challenge que nous relèverons ensemble. Je suis consciente des difficultés que vous traversez. Je suis consciente des menaces que vous connaissez. Un fonds de 1 milliard de francs CFA sera mis à disposition des acteurs des industries culturelles et créatives de Côte d'Ivoire sur la base de projets structurants. Cela concerne bien sûr le secteur du livre,
et vous avez toute votre place à prendre. Le livre « Un pari toujours gagnant », c'est autour de ce thème que se tient le SILA 14. S'inscrivant dans la dynamique du thème, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'ordre national et parrain de cette édition, appelle à intensifier les efforts pour rapprocher davantage les enfants des livres. L'humanité n'a rien inventé de mieux que la lecture. En tant que parents ou décideurs politiques, il nous appartient de réfléchir ensemble aux leviers susceptibles d'ancrer la lecture au cœur des habitudes de l'enfant. La Côte d'Ivoire s'honore en déclarant la lecture grande cause nationale. Le Grand Prix national de littérature du SILA 2024 a été décerné à l'écrivain Maker Eti pour son recueil de poèmes « Flamme éternelle ». Il repart avec la somme de 3 millions de francs CFA. Le SILA se poursuit jusqu'au samedi 18 mai. Le Kenya est le pays invité d'honneur. Et la RTI célèbre ses journalistes lauréats à la soirée d'Ebony tenue à Yamoussoukro. Rappelons-le, le super Ebony est le journaliste de Radio Côte d'Ivoire, Ligua Aimé. En plus des lauréats de 2023, ceux de 2022 étaient de la partie. Le directeur général Fosséni Dembélé veut apporter son soutien à ses agents et amener tout le personnel à donner le maximum afin que le groupe RTI soit toujours le leader dans l'environnement des médias. C'est Forazegui. Après la razzia du groupe RTI à la dernière soirée des Ébonies, la direction générale célèbre ses lauréats. Ludovic Ligua Aimé, le super Ebony, Hamza Diaby, le meilleur présentateur télé, Bintou Pekele, l'Ebony télé et ceux de l'édition 2022 sont tous reconnaissants à la RTI, la mère de l'audiovisuel ivoirien. La direction prime, quelques-uns d'entre nous, mais ce qui est présenté aujourd'hui à l'ensemble du personnel et à la face du monde, c'est la conjugaison des efforts des uns et des autres. J'ai une pensée pour les machinistes, pour les techniciens de son, pour les cadreurs, pour tous ces ingénieurs qui travaillent de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté de la baie vitrée, pour contribuer ensemble à faire rayonner notre maison commune. Encore merci à la direction générale de la RTI et inviter chacun de nous, membres du groupe RTI, employés du groupe RTI, à continuer de travailler d'arrache-pied pour le rayonnement de notre maison commune. En 2022, la RTI remportait 4 prix et cette année, elle se hisse au premier rang de la presse ivoirienne avec 10 prix obtenus, dont le Super Ebony. C'est le couronnement de plusieurs années d'acharnement au travail que Fosséni Dembélé, le directeur général, récompense. À travers ces prix, vous montrez que dans cette maison, il y a de la valeur. Mais qu'en plus de la valeur, il y a une qualité d'encadrement. Et c'est ce travail-là qui permet d'arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, une fois de plus, félicitations à l'ensemble des acteurs de ce beau succès. Ce succès nous amène à toujours travailler d'arrache-pied, à conjuguer les efforts, à ne jamais dormir sur nos lauriers. Parce qu'au fond, la récompense est le fruit du travail. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de célébrer le travail. Si la qualité du travail des ébonies de la RTI est reconnue au niveau national, pour le PCA à Kassaï-Lazare, ces lauriers sont le fruit de la politique managériale menée par le directeur général Fosséni Dembélé. Grâce à eux, on peut apprécier la qualité du travail que le groupe fait. DG, merci de nous offrir ces ébonies, ces lauréats, ces compétences qui font notre fierté. Grâce à vous et grâce à eux, on peut marcher la tête haute et nous savons que nous pouvons encore récolter d'autres lauriers parce que les compétences, la RTI en regorge. La cérémonie de récompense des Ébonies 2022 et 2023 de la RTI était rehaussée par la présence du ministère de la Communication. Guillaume Béda, le directeur du développement de l'audiovisuel et de la presse, est venu féliciter la RTI pour la qualité de son travail et ses lauriers glanés au nom de Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication. Une trentaine de jeunes Ivoiriens, certains sont sans emploi, d'autres ont abandonné l'école depuis plusieurs années, mais ils se sont retrouvés à l'école spéciale des travaux publics d'Aigleton en France. C'est la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance conduite par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils ont bénéficié d'une formation de 3 à 8 semaines, leur donnant ainsi l'opportunité
d'acquérir des compétences et exercer de nouveaux métiers. Vous allez le voir, ils ont pu réaliser leur rêve. Une immersion dans la formation de ces stagiaires topographes, mécaniciens ou encore conducteurs d'engins. C'est dans notre dossier du jour avec Jean-Marc Diadji. Pour ce couple de pasteurs, le temps est au recueillement avant le grand départ. Tous ceux avec qui elle s'en va, je prie l'Éternel mon Dieu. L'épouse, sans emploi, fait partie de la centaine de jeunes Ivoiriens sur le départ ce soir-là à destination de la France. Sélectionnés pour participer à un stage de mois dans l'Hexagone, ils sont enrôlés dans le programme École de la Deuxième Chance, initié par le gouvernement via le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. Titulaires d'un bac plus 2 pour certains, bacheliers pour d'autres, ils seront formés durant des semaines à des métiers précis, notamment la conduite d'engins ou encore la mécanique. Direction l'aéroport. 6 heures de vol pour poser leurs valises à près de 7000 km de la Côte d'Ivoire, dans la commune française d'Égletton, en région Nouvelle-Aquitaine. Sous ce hangar, des travaux dirigés de mécanique, des maintenances d'engins. Les apprentis renforcent leurs capacités, touchent du doigt les spécificités de leur futur métier. Alors, dans les entrailles de ces mastodontes, le groupe doit détecter et réparer les pannes. Sur un filtre à air, l'air que le moteur aspire arrive par l'extérieur, passe par le papier que je vous ai montré, un accordéon qui est dedans, d'accord ? Passe par l'intérieur et ressort ici et rentre dans le moteur propre. Des garçons et des filles, souvent sans diplôme ni qualification professionnelle, et qui trouvent ici l'occasion d'apprendre un métier concret. Sylvie Ingetia, la petite vingtaine, a pour seul diplôme le bac, mais a quitté son quotidien de serveuse pour se plonger dans la complexité des gros engins. Dès mon arrivée ici, je ne savais pas comment on fait l'entretien d'un engin. Mais je suis arrivée... Aujourd'hui, on nous a appris à faire comment. Je suis sûr que je vais y arriver. Pour les encadrer, des professionnels français qui accueillent depuis 2 ans des cuvées comme celle-ci. Frédéric Loubière coordonne ici à Égletton ce projet de formation des jeunes Ivoiriens. Le but, les outils pour répondre au mieux aux besoins d'une main-d'œuvre qualifiée. L'idée, c'est de travailler sur le geste professionnel et sur la pratique. Il faut manipuler, il faut changer, il faut essayer, il faut comprendre comment ça marche. Donc, c'est très axé manuel et professionnel. Bien sûr, il faut pouvoir dépanner, surtout piloter ses engins. Ce qui se fait au grand air avec un autre groupe d'apprentis en conduite d'engins. Déplacer les camions, suivre le sens, même à reculons. Là, c'est bien, là. Donc là, il faut que tu ramènes un peu. Hein, t'as vu à peu près comment c'était. Tu te fies au TN. Mais aussi manier la pelle. Des gestes minutieux qui s'apprennent avec patience. Nous avons commencé dans une salle où on était avec un professeur. On a commencé la théorie, genre les coups. Voilà, nous avons fait les coups. Voilà, comment manipuler un engin, comment conduire les différents engins, les différentes catégories d'engins, tout et tout. Face aux commandes de gros engins, même sans avoir suivi une formation académique préalable. C'est le cas de Jacques Boussou, qui a laissé tomber le monde des platines. Mon histoire, c'est que j'ai échoué 2 fois au bac, l'an 2019-2010. Voilà. Après ça, je me suis reconverti en tant que DJ. J'ai exercé dans ce métier-là durant 10 ans. Quand je me connectais par moment, je voyais un peu les publications du ministère et tout ça. Ça m'a tenté de vraiment essayer cette épreuve-là parce qu'il y avait pour passion depuis tout petit vraiment d'être aussi connecté dans un. Et les histoires comme celle-ci sont courantes parmi ces jeunes apprentis. Apprendre un métier qui ouvre directement à l'emploi. Une politique lancée en 2021 et qui vise à l'horizon 2030 à offrir 1 million d'emplois à des jeunes Ivoiriens sans revenus fixes. Des autorités comptent répondre progressivement aux besoins recensés des entreprises locales en Côte d'Ivoire. Les entreprises sont effectivement engagées. Je tiens à vous dire que c'est dans tous les domaines, que ce soit les grandes entreprises, les petites entreprises qui ont des véritables besoins et qui participent régulièrement à nos différentes séances de travail. Et là, pour des besoins
d'échelon en entreprise. Nous avons des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés, des ingénieurs qualifiés, ainsi de suite, pour pouvoir répondre véritablement à tous les besoins de tous les différents corps de métier. Le FDP s'est pleinement inscrit dans la mesure où l'institution a pour mission justement de mettre à disposition des entreprises des ressources humaines de qualité et immédiatement opérationnelles. De retour au pays, les apprentis sont immédiatement insérés en entreprise. C'est le cas d'Emmanuel Assampon, opérateur topographe au sein de l'entreprise de La Place. Tout comme 30 autres apprentis. Son métier, il le prend à cœur. Je n'avais pas de connaissances en topographie. Tout a commencé avec le projet École de la Deuxième Chance. Donc c'est arrivé en France à Égletton, qui nous ont commencé à nous jeter les bases de la topographie. Et en 3 semaines, ils nous ont donné un peu le minimum. Et quand nous sommes arrivés en entreprise, nos responsables ont pris le relais. Et ça fait 1 an que nous sommes sur ce chantier. L'ambition du gouvernement va plus loin. Voir arriver sur le sol ivoirien ces écoles des métiers. En attendant, pour bénéficier du programme de la deuxième chance, il faut être âgé entre 16 et 35 ans, avoir le niveau minimum CM2 et s'inscrire sur le site du ministère de tutelle. L'école de la deuxième chance qui est en marche cette année scolaire, ce sont 1 630 000 candidats qui vont composer. Les dates des examens de fin d'année sont fixées. La direction des examens et concours a procédé au lancement officiel. Le CPE, c'est le mardi 21 mai. Le BEPC démarre le 22 mai. Le baccalauréat, dès le 17 juin. Des détails avec Sephora Zeghi. Plus de 1 million de candidats sont en liste cette année pour les examens à grand tirage. Qu'il s'agisse des inscriptions en ligne, de la délivrance des convocations aux candidats, du déploiement et de la formation des membres du jury et du secrétariat, la direction des examens et concours est fin prête. Les candidats au BEPC et tests d'orientation peuvent dès aujourd'hui imprimer leurs convocations en ligne. Et ceux du CEP le pourront demain, vendredi 17 mai 2024. Notons que cette étape a été réalisée de la manière la plus inclusive sur instruction de Madame le ministre. Plusieurs réouvertures de la plateforme ont été opérées pour ratisser chaque fois les retardataires qui se mettaient à jour, et cela jusqu'à la limite de délai possible. À l'exception de l'examen du CEPE, qui a obtenu un score de 71,28% l'année dernière, le BEPC et le baccalauréat ne se sont pas bien illustrés. Kofi Nguessan, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, estime qu'au vu de l'importance des investissements opérés dans le secteur, les candidats sont invités à donner le meilleur d'eux cette année. Je suis convaincu que, grâce à notre détermination collective, grâce à cette mobilisation autour de nos candidats, nous atteindrons à partir de cette session un niveau de réussite qui nous apportera satisfaction et qui amorcera le retour attendu de l'école ivoirienne parmi les systèmes éducatifs de référence en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, les examens à grand tirage de la session 2024 que nous lançons officiellement ce jeudi 16 mai 2024 sont placés sous le thème suivant. Performance et mérite pour des examens de qualité. Pour rappel, l'année dernière, le taux de réussite au BEPC était de 31,47%, quand le baccalauréat a affiché 32,09%. Cette année encore, la lutte contre la tricherie est de mise. Des affiches de sensibilisation contre le phénomène ont été distribuées aux acteurs et aux élèves afin qu'ils soient le relais du MENA dans leurs différents établissements. Avant les examens, les élèves, les enseignants et les établissements scolaires du département de Thiébissou sont en compétition. Un prix du mérite du secteur éducatif est lancé au niveau local. C'est une initiative de Charles Kouassi, chef de cabinet de l'inspecteur général d'État. C'est la première édition dont le parrain est le ministre Amédée Kouakou Soro Corona. Reproduit au niveau départemental, le prix national d'excellence initié par le président de la République Alassane Ouattara. C'est dans cette dynamique que s'inscrit Charles Kouassi, directeur du cabinet de l'inspection générale d'État. Le prix d'excellence du secteur éducatif de Thiébissou met en compétition les écoliers, élèves, enseignants et établissements scolaires. Pour l'initiateur, il faut inculquer aux Ivoiriens les valeurs d'excellence, du mérite et du travail bien fait. L'initiative d'organiser ce prix vient de la vision du chef de l'État,
qui a institué des prix d'excellence. Et selon nous, il appartient à chaque enfant, à chaque cadre, dans sa circonscription, de prendre le relais afin d'encourager le mérite, d'encourager l'excellence. Créer un cadre de valorisation des compétences pour qu'ici à Tébissou naisse l'Ivoirien nouveau. Un jury de 7 membres va évaluer les acteurs sur la conduite, les performances scolaires, la tenue des documents de classe, la propriété de l'école. L'initiative bénéficie du soutien du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame la ministre apprécie toutes ces entités, toutes ces personnes-là qui veulent nous soutenir dans la quête de l'amélioration de la qualité de notre système. La première édition d'excellence du secteur éducatif de Tébissou a pour parrain le ministre Amédée Koffi Kouakou. Son représentant salue ce prix qui fait la promotion de l'Ivoirien nouveau. Nous avons invité les enfants, au nom du ministre Amédée Koffi Kouakou, à faire en sorte de nous produire cette année à travers justement cette évaluation qui sera faite, qui est en même temps un outil de motivation. Les résultats du prix d'excellence du secteur éducatif de Tébissou sont prévus pour le 12 juillet 2024. Alors maintenant, dans l'ouest du pays, le président du conseil régional du Tonkoui était à Douékoué. Albert Mabritouakeuse a rencontré les populations. Il appelle dans ce reportage à la cohésion sociale. Voici le nouveau chef de Guitrozon dans la commune de Douékoué, région du Guémon. Nyonsian Goumano Félix, officiellement installé par le corps préfectoral, le député de Douékoué et Albert Mabritouakeuse, ministre conseiller du président de la République. Au nouvel auxiliaire de l'administration, le préfet remet, en plus de son arrêté de nomination, armoirie et symbole de l'État, signe que le chef de village est neutre. Il est le chef des autochtones, il est le chef des allogènes, il est le chef des musulmans, il est le chef des chrétiens, il est le chef de ceux qui croient en Dieu, il est le chef de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est le chef de tous ceux qui se trouvent sur le territoire du village, sans aucune distinction de nationalité. Comme le corps préfectoral et le parrain, le ministre conseiller du président Alassane Ouattara salue l'unité et la cohésion retrouvées à Guitrozon au regard du consensus qui a prévalu dans le choix du nouveau chef de la localité. En invitant tout le Guémon à s'inspirer de l'exemple de ce village, Albert Mabritouakeus insiste sur le renforcement du vivre ensemble à Guitrozon. C'est un village symbole, nous l'avons connu à d'autres moments et il est important qu'aujourd'hui nous venons pour voir un peu si les graines de la paix qui ont été semées il y a quelques années derrière avec notre participation, eh bien, si ça a germé, que c'est en train de donner des arbres dont l'ombrage va couvrir donc, l'ensemble des populations ici. Nous leur avons conseillé d'intensifier les efforts en faveur de la paix et de la cohésion et je crois que ce message a été compris 5 sur 5. Le nouveau chef de Guitrozon est fonctionnaire de police à la retraite. Il a fait ses armes au sein du conseil du village comme chargé de la sécurité jusqu'à sa nomination. Et la 20e journée annuelle de l'association cotonnière africaine ouverte ce jeudi à Abidjan en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobinan Kwasi Adjumani. Durant 3 jours, les acteurs de la chaîne de valeur du coton en Afrique vont réfléchir sur les problèmes de la filière. Dans l'actualité politique, le délégué départemental du RHDP de Toumoudi a effectué une tournée dans des villages et quartiers. Il mobilise les militants de base. On le voit dans ce reportage de Didier Nguessan, Khalid Diomandé. Kadjokro, sous-préfecture de Toumoudi. Ce village reçoit la délégation RHDP conduite par le secrétaire départemental Théodore Niamien. Elle vient pour remercier les militants et les mobiliser pour les prochaines échéances électorales. Dénommée 2025, c'est aujourd'hui, la tournée de mobilisation a fait escale dans le village Anikro. Théodore Niamien et sa délégation réaffirment leur choix sur le candidat idéal pour les oufouettistes à l'élection présidentielle. Le climat de paix qui a prévalu pendant les élections locales devra également prévaloir en 2025. Le point fort, c'est que nous avons un candidat. Nous avons demandé à nos militants d'abord de se faire enrôler dans la base militant RHDP, de commencer à recenser les nouveaux majeurs, parce qu'il y a un fait majeur ici qu'on a connu pendant les élections, c'est que le RHDP a connu un bond électoral vraiment très intéressant. Nous sommes allés qu'à 48% dans la commune. Il n'est pas question pour nous de revenir en arrière.
Nous devons consolider nos acquis et aller de l'avant et permettre donc aux candidats de l'ADP de remporter la présidentielle à Toumaudi. Au total, 7 villages et plusieurs quartiers de la commune de Toumaudi ont été sillonnés par la délégation du RHDP. La tournée se poursuit jusqu'au 8 juin prochain. Dans le nord du pays, le district des Savanes veut relever le défi de la mobilisation lors de la journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. À Korogo, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, était face aux responsables de jeunesse des quartiers. Un seul message, battre le record de la mobilisation. Les jeunes sont prêts à relever ce défi ce samedi au stade Amadou Gon Koulibaly. Soro Corona. Faire en sorte que l'intérieur et l'extérieur du stade Amadou Gon Koulibaly refusent du monde le samedi 18 mai. Lors de la journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara par le district des Savanes. Pour relever ces défis, les élus et cadres des différentes régions du district s'impliquent dans la mobilisation. À Korogo, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, était face aux responsables de jeunesse des quartiers et villages de la commune. Plus de 500 responsables de jeunes et structures de jeunesse ont répondu à l'appel du ministre. Depuis un moment, comme vous le constatez, votre père, votre fils, votre grand frère est célébré à travers tout le pays pour les actions qu'il a posées depuis qu'il a la tête de ce pays. Le moment est venu pour son district d'origine de nous faire entendre. Pour inscrire leur nom dans l'histoire de la nouvelle marche du pays, le natif de Korogo invite les jeunes à relever le défi de la mobilisation. Chers jeunes de Korogo, c'est vous qui avez été le fer de lance de la lutte politique du président Alassane Ouattara. Le moment est venu de répondre à l'appel de l'histoire encore. Et ce qui va se passer le samedi 18 sera le début d'une nouvelle étape de notre marche. Un défi accepté par les jeunes. Ils nous mobilisent d'aller dans les quartiers. Il faudrait que le stade Amadou Gon Koulibaly soit rempli et qu'aux alentours du stade, on ne peut même pas voir le sol si ce n'est pas la population. La population des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué veulent faire de cette journée d'hommage la plus mémorable. Les délégations viendront de toute la Côte d'Ivoire. En religion, c'est un pèlerinage qui a déjà démarré. C'est le troisième jour pour les fidèles chrétiens sur les lieux saints en Turquie. La maison de la Vierge Marie, les ruines de la basilique Saint-Jean et la tombe de l'apôtre Jean, situées dans la ville antique d'Éphèse, des sites visités par les pèlerins ivoiriens. On fait le point de cette journée avec nos envoyés spéciaux Jean-Jacques Kwame, Sam Conan. Séjournant depuis trois jours dans la ville d'Éphèse, sur le littoral ouest de la Turquie, ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, les pèlerins ivoiriens ont visité ce jeudi la maison de la Vierge Marie, une maison pleine de symboles pour le fidèle chrétien. Étant rentré dans la chambre, là où a passé les derniers jours de la Vierge Marie, véritablement j'étais un peu ému de découvrir ce lieu, de savoir que véritablement ce que nous dit la Bible est vrai, c'est que ces personnes ont réellement existé. De toute manière que nous prions, mais il y a un seul Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis comblé de visiter la maison de Maman Marie. Occasion pour les pèlerins de célébrer une messe, avec pour thème principal l'unité de l'Église du Christ. Jésus disait que tout soit un, et Jésus parle de l'unité dans la diversité. Pas l'uniformité, c'est-à-dire que chacun ait sa manière de prier, mais que nous soyons tous unis. Alors je prie que nous chrétiens, nous fassions, nous arrêtions de nous battre par nos manières de prier, mais que nous gardions ce message fort de Jésus qui est de nous aimer, de nous respecter, de nous entraîner, de nous soutenir. Après la célébration eucharistique, les fidèles chrétiens se sont rendus sur les ruines de la basilique Saint-Jean, qui rappelle le souvenir d'une grande œuvre missionnaire, au travers de laquelle le Seigneur Dieu demande à Éphèse de se repentir. Les pèlerins ivoiriens, avant de quitter les lieux, ont prié sur la tombe de l'apôtre Jean. La Côte d'Ivoire se prépare à rendre hommage à l'ex-président Henri Konan Bédier. Des dispositions sont prises à cet effet. Je vous propose justement le communiqué lu par Abou Sanogo.
Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviés à la cérémonie d'hommage de la nation à fait son Excellence M. Henri Konabédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le vendredi 24 mai 2024 à partir de 9h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont M. le vice-président de la République et Madame, M. les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République et leurs conjoints, Messieurs les anciens premiers ministres et anciens présidents d'institutions et leurs conjointes, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Messieurs les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 5 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune, Messieurs les présidents des autorités de régulation, le président et les membres du bureau de l'Association des régions de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents et les membres du bureau de l'UVUCOSI, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 30 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, 10 représentants des organisations de la société civile, Monsieur le Président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Monsieur le Président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 20 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, carte d'accès obligatoire à retirer au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, direction générale du protocole d'État, du vendredi 17 au mercredi 22 mai, de 8h à 16h. Notez bien, la mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h00 et prendra fin à 8h30, horaire de rigueur. Dans le reste de l'actualité, en Mauritanie, l'ex-président ne sera pas candidat. Au scrutin présidentiel du 29 juin, Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas réussi à réunir les parrainages pour valider sa candidature. Il devait obtenir l'adhésion de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires. Un système de parrainage qui est fortement contesté par l'opposition. Seuls 8 candidats ont réussi à atteindre l'objectif. Parmi eux figure l'actuel président mauritanien, Mohamed Ould Razouani. Le Conseil constitutionnel dispose de 2 semaines maintenant pour annoncer la liste définitive des candidats. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Gourand. Ce soir, le sage nous apprend que le cœur est toujours témoin de ce que l'oreille a entendu. Très belle soirée sur RTI.